Avec une présidente de jury comme Sophia Loren, le Festival de Cannes, qui a 20 ans cette année, a prouvé qu'il avait l'âge de la pleine jeunesse. Au rendez-vous international de la Croisette, les professionnels du cinéma ont retrouvé les amateurs de cinéma. Les assidus de Cannes ont repris leurs habitudes et les nouveaux venus ont commencé à observer les étoiles filantes. Sur les marches du palais, la foule des curieux ne se lasse pas d'attendre les grandes vedettes. Pour la première fois, la princesse Margaret et Lord Snowdon ont fait partie des attractions. Le festival 1966 a pris ainsi un bon départ.